Bonjour à tous, bonjour à tutti. Ici de Place Vendôme, Paris, France, une autre nation très importante pour l'histoire de l'escrime. Une autre nation importante, la France, pour la storia della scherma. E sono qui quindi per incontrare degli amici, dei colleghi, maestri d'armi, e per parlare evidentemente di scherma in tutte le sue forme. Quindi, se siete curiosi, venez avec moi. Siamo qui con Michel Carliez, figlio del grande Claude Carliez, che è stato il primo maestro d'armi del cinema francese negli anni 60 e 70. Michel ha preso l'eredità del papà ed è uno dei più celebri direttori di combattimento del cinema e lavora non solo in Francia ma nel mondo intero con attori del calibro di John Malkovich, Keanu Reeves, Gérard Depardieu. Combien c'est important d'avoir étudié autant que maître d'armes? Le fait d'avoir travaillé techniquement et de façon suivie nous donne un éventail qui est assez large. Quand on travaille pour le spectacle, soit le cinéma, le théâtre, la maîtrise d'armes ne suffit pas. Un maître d'armes, ou du moins un directeur de combat ou un chorégraphe de combat qui doit faire une scène duelliste, bien sûr, l'escrime est quelque chose de très important et le fait d'avoir travaillé de façon classique permet après de transformer le classicisme, mais à cela doit s'ajouter d'autres panoplies. À ton avis, comment ce serait le cas d'améliorer les parcours de formation pour quelqu'un qui veut être véritablement un maître d'armes à 360 degrés? Il faut déjà qu'il ait les bases, c'est-à-dire fleuret, épée, sabre. Après, il faudrait avoir aussi, et ça existe un peu dans certaines formations, des connaissances en matière d'escrime artistique, des connaissances en matière d'escrime handisport, plus l'escrime aux armes médiévales. Je pense qu'un vrai maître d'armes doit essayer d'ouvrir ses compétences au maximum pour pouvoir avoir une richesse d'enseignement qui fasse sa richesse plus celle de ses élèves. Dans le monde actuel des AMHE, il y a beaucoup qui disent qu'un maître d'armes qui connaît le fleuret, le sabre, l'épée moderne n'a rien à voir avec la maîtrise d'une épée à deux mains, de l'épée le bouclier ou de la rapière la dague. Qu'est-ce que tu en penses? Ils n'ont pas tort et ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas tort dans le sens où la formation du maître d'armes est axée essentiellement sur épée, fleuret, sabre. Ils n'ont pas raison, parce qu'il y a des maîtres d'armes qui, grâce à leur connaissance de maîtres d'armes, on va dire classiques, comprennent aussi peut-être les textes d'une façon un peu plus ouverte. Comment a évolué la sensibilité du public par rapport aux films d'action? C'est une très bonne question. Dans les années 50-60, le sport, les activités spectaculaires, dangereuses, étaient moindres. Les gens qui faisaient par exemple des arts martiaux dans les années 50-60, il y en avait peu. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui font des arts martiaux, presque tout le monde. Il y a de plus en plus de gens qui font des sports spectacles, qui font des sports à risque. Donc, l'œil du public, il a changé. Il est plus simplement intéressé ou émerveillé devant un combat. Il a un œil qui s'est considérablement ouvert. Et donc, si on lui montre juste ça, il va faire ouais, pff, oui, d'accord, on l'a déjà vu ça. Les trois meilleurs films de cap et épée que n'importe quel passionné ou n'importe quel maître d'armes ne peut pas ignorer, donc qu'il doit absolument connaître. Le film de ma jeunesse, Scaramouche. Scaramouche, Stuart Granger, voilà, n'est-ce pas?
Le deuxième qui m'a marqué quand j'étais un peu plus âgé, ben, c'était un film de mon père, Le Bossu avec Jean Marais. Voilà. Et puis le troisième, quand j'étais un peu plus âgé, c'est le film qu'a réglé pour toutes les scènes de duel Billops, c'est-à-dire Duelliste. Les Duellistes. Voilà. L'escrime est riche. N'opposons pas les différentes formes d'escrime. Au contraire. Rassemblons-les, il y en a qui aiment plus ceci, il y en a qui aiment plus cela, et c'est très bien. Et c'est de la même famille. Michel, merci beaucoup pour ces moments passés ensemble. Mais c'est un plaisir, et comme je te l'ai dit, et j'en profite pour le redire ici, je trouve tes vidéos pleines d'intérêt. Parce qu'elles ne sont jamais péremptoires, elles amènent toujours celui qui les regarde à réfléchir. Et par sa réflexion à apprendre. Donc, bravo. Merci beaucoup, Michel. Merci encore.